Des seringues médicales achetées en pharmacie peuvent avoir de nombreuses utilisations étonnantes. Avec deux seringues, vous pouvez par exemple faire une très simple pompe à main. Vous aurez ici besoin d'une grosse seringue et d'une petite seringue. Commencez par retirer les pistons des deux seringues, puis retirez leur tête en caoutchouc noir. Prenez ensuite la petite seringue et mettez à l'intérieur une petite bille en acier. Puis, fermez la seringue avec la tête en caoutchouc. La bille servira donc ici de valve. Prenez ensuite le piston en caoutchouc de la grosse seringue et faites-y un trou. Appliquez de la colle sur le nez de la petite seringue et collez le gros caoutchouc. Ça ressemble maintenant à un gros nez. Faites maintenant un trou en bas de la petite seringue. Ce sera l'endroit d'où l'eau sortira. Maintenant, mettez une autre bille en acier à l'intérieur de la grande seringue et enfin, rentrez la petite seringue dans la grande. Votre pompe est maintenant prête. Vous pouvez voir ici les billes en mouvement. Elles agissent exactement comme des valves. Placez alors votre pompe dans un récipient d'eau. Maintenez la partie inférieure et déplacez la seringue supérieure de haut en bas. Les valves vont s'ouvrir et se fermer, l'eau va rentrer dans la pompe et l'eau se fera éjecter par le trou.